Police secours, on a 6 brigades actuellement. On travaille 24 heures sur 24. Donc les 6 brigades se relayent pour assurer aux citoyens un appel n'importe quand, jour et nuit. Ils ont une police qui est dehors, ils ont des policiers qui sont dehors. Et puis notre corporation tente à véhicules, vélos, motos, pédestres. On cherche le contact, la disponibilité. On doit être disponible. Et ça a toujours été mis en avant, en tout cas à Nyon, cette disponibilité du policier. Pour chaque citoyen, ce qui leur arrive, ça peut être une bagatelle pour nous, mais pour eux, c'est tellement énorme, parce que ça leur touche à l'intérieur. Ils pensaient pas que ça pourrait leur arriver un jour. Pour eux, c'est tellement important qu'on doit trouver une solution, puis qu'on doit être disponible aussi pour eux. On a plusieurs missions. La plupart du temps, c'est l'intervention. Donc, sur appel, ça peut aller de la demande d'assistance pour relever une personne âgée ou gérer du stationnement. Ou ça peut être des vols par effraction dans des appartements, véhicules. Il y a une demande. Les gens, quand ils nous appellent, il faut qu'on aille dans leur sens pour résoudre les problèmes. Il nous faut respecter les lois et ordonnances, mais également faire preuve d'empathie, de nuance, de tolérance et aller dans le sens de la demande initiale. On fait des patrouilles préventives aussi. Discuter avec les gens, s'arrêter à un endroit, dire on va faire un contrôle circulation. Y a plein de choses qui me plaisent en fait. C'est de pouvoir aider les gens. Tout l'aspect technique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Choses comme ça, moi, c'est vraiment la chose que j'aime bien. Donc, prévention. En se montrant vis-à-vis du public en uniforme, que ce soit en patrouille pédestre, en moto, en vélo ou en véhicule, ça peut être aux abords des écoles, ça peut être une mission concrète qu'on a à faire durant une certaine période. Moi, je trouve que c'est vraiment beau quand la personne, à la fin, elle nous dit merci. Ça arrive. Bonjour, madame. Bonjour, alors voilà. Vous nous offrez des chocolats ? Oui, parce que les habitants, ils ne peuvent pas se passer de policiers. Oui. Puis les policiers, ils ne peuvent pas se passer de chocolat. C'est gentil, merci. Il y a des jours où on n'arrête pas et on ne touche pas terre. Ça arrive aussi, ça c'est clair. Il y a des moments de l'année où on a plus d'interventions et on est plus appelé que d'autres. Je dirais aussi pendant l'été, c'est vrai que vu qu'il y a plus de jeunes, par exemple, qui font la fête, ou potentiellement plus de bruit, les gens dorment avec les fenêtres ouvertes, choses comme ça. Du coup, on est plus souvent appelé pour des tapages, des nuisances sonores. C'est aussi arrivé en hiver, où voilà, il y a des jours ou des soirs, on n'a pas arrêté. Il y a des jours où on peut être amené à devoir gérer les interventions plus rapidement, parce que ça s'enchaîne. Et puis d'autres moments, on a plus le temps de traiter. On a encore l'opportunité, le privilège de pouvoir finir les choses. Train station in Nyon or just before? Just before the... Between Morges and Nyon? Okay. And you realize you're... Yes. Okay. Inside, the most important was watches, Patek Philippe. Ah, yeah. And second watches were blue, Patek Philippe gold. Mm-hmm. Connaître bien son secteur, connaître les gens qui y vivent. Et du coup, les gens auront peut-être une image un peu différente de la police. Qu'on n'est pas que dans la répression, on n'est pas que dans l'intervention, on est aussi dans un suivi, dialogue avec eux. Moi, je suis persuadée qu'en tout cas, l'image qu'on donne aux gens peut désamorcer certaines situations plus tard. On est des acteurs, hein, quelque part, ça c'est clair. L'image, je pense que c'est important de faire cette proximité. C'est vrai qu'on a une chance et d'ailleurs, les interventions s'en font peut-être ressentir. Osram 0 de la 202, on est sur place pour un bouclage, deux éléments. Est-ce que tu peux nous envoyer la canine, car on a une trace d'effraction côté droite sur une serrure avec des objets au sol, réponds. La brigade canine a été créée en 2013 et on a pu obtenir le chien en 2014. On a deux chiens, deux femelles malinoises. C'est intervenir sur des cambriolages, donc une personne qui a pris la fuite. On va partir en piste, tu annonces qu'on est là. Ouais. Pour la centrale, la canine, on va commencer la piste. L'utilité du fait que le chien sache se défendre est capable de nous défendre nous aussi. Allez, sortez, au sol, bras écartés. Ou éventuellement une personne qui a le cambrioleur qui a acheté des objets
et puis qui a été interpellé, mais les collègues n'ont pas réussi à retrouver les objets. Pour les éléments engagés, on a trouvé un premier objet. Généralement, le contact est très positif. Les gens, justement, le fait qu'ils sont sociaux et qu'on peut les caresser, ça enlève une barrière, en fait. Au poste, c'est un chien de police. Et puis, dès qu'on arrive à la maison, ça devient un chien de famille. Donc, il n'y a absolument plus de police. C'est un chien qui à la maison, comme tous les autres chiens, en fait. Pour ma part, pour mon chien, très bien. Elle aime bien les enfants. Elle reste calme, étonnamment, avec les enfants, plus qu'avec les adultes. La réception de police secours est ouverte 24 heures sur 24. De jour comme de nuit, elle permet aux citoyens un contact direct avec les policiers. La centrale d'engagement offre une réponse rapide et coordonnée entre les appels téléphoniques, les diverses centrales de secours et les patrouilles. Le groupe lui-même, proximité, prévention, etc., les généraux, on a plusieurs casquettes. On est présent, hein. La mission numéro un de la police, c'est d'être présent. Jamais eu de problème avec les gens, il faut juste aller vers eux aussi, de temps en temps, faire un pas. Les gens sont très ouverts, sont très, très curieux de voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, les conseils qu'on peut leur donner. La prévention routière au sein des écoles. En gros, je pense qu'on est autour des 1000-1300 élèves. C'est vraiment les sensibiliser depuis qu'ils sont tout petits, quand à la traversée de la route, on donne un cours, on les sensibilise à la problématique liée au cycle et à la circulation routière. Nous, ces élèves, on va les rencontrer chaque année. On va grandir, entre guillemets, avec eux. C'est aussi à nous de créer un cours qui est vraiment propre à la région dans laquelle on vit, à la ville dans laquelle on vit. Peut-être qu'à Cran, les besoins sont différents qu'à Nyon. L'idée de base de ce bus, de ce fourgon tel qu'il est là, c'était de créer un poste mobile, c'est-à-dire de se déplacer dans des quartiers différents. Les gens peuvent venir, on a des chaises, on peut prendre une audition, on pourrait même prendre une plainte. Ici, on est vraiment dans un village. Les gens viennent encore à nous ici à Cran pour nous poser certaines questions. Au Caribana, il y a différentes missions. Il y a une mission d'observation, la prise de contact avec le personnel du festival qui sont près de nous, près du véhicule. On discute avec les gens, on leur distribue des fascicules, ce qui concerne la criminalité, pickpocket, etc. On est là surtout aussi pour qu'on nous voie, quoi. L'image de notre cellule de police de proximité, quoi. Il y a en moyenne, il y a entre 45 et 50 taxis sur nous. C'est des heures passées à la gare, à discuter, à les rendre attentifs à certains problèmes. Il y a la partie police, où là c'est basé plus sur l'OTR. Contrôle des disques tachygraphes, du respect du temps de travail, des pauses, du repos, etc. On doit veiller à faire des contrôles, on doit dénoncer au besoin, mais on doit aussi avoir une bonne entente avec eux. Parce que c'est des gens qui travaillent 24 sur 24, qui sont amenés à voir, à entendre énormément de choses. Et puis pour nous, c'est une source d'information qui est importante. Situé au cœur du village, le poste de police de Prangin assure une proximité et une écoute aux citoyens. Les assistants de sécurité publique renseignent la population, contrôlent le stationnement, gèrent la circulation en ville lors de manifestations et s'occupent de l'intendance. La police administrative couvre plusieurs secteurs : état-major, services généraux, gestion des parkings et des macarons, commission de police, suivi des amendes d'ordre, comptabilité, facturation et émolument des marchés. Actuellement, c'est une région qui grandit à grande vitesse. Alors, l'évolution des citoyens va affecter les transports publics, les normes adaptées pour le parkage. C'est une ville, Nyon est une ville. Donc la police va de toute manière être obligée de s'adapter. C'est pas le port d'uniforme qui va amener la solution.
Je crois qu'aujourd'hui, la société a évolué. Et puis, c'est vraiment à nous de faire preuve de sensibilité, d'être à l'écoute, d'avoir la poigne, de montrer l'autorité quand il le faut. Mais ce n'est pas le fait d'arriver, de dire la loi, c'est moi. Et puis maintenant, il faut faire ce que je dis. Il faut aller au-delà de ça. Puis c'est ça aussi, se remettre en question, puis faire preuve d'humilité, parce qu'à un moment donné, on est des êtres humains. Et puis se mettre aussi au niveau de la personne pour aller dans le sens. Le but, c'est quoi? C'est de résoudre un problème, c'est de faire en sorte que l'intervention se passe au mieux. Osram 0, Dosram 201, répond. Compris, on a terminé, on est libre. Répond. Merci. Compris, terminé.